Bonjour les amis, comment allez-vous? Oh, ça y est, ça commence à te péter la gueule. Bon, ben, comme vous le voyez aujourd'hui c'est une vidéo maquillage. Mais alors, une vidéo maquillage tout petit prix, les gars. J'ai pris tout ce qu'il y avait de moins cher. Tu me diras, c'est pas facile, c'est ce que j'ai en priorité. Pas facile, c'est pas difficile, non, ça commence bien. Ne vous étonnez pas de ma tête de rat crevé. Je suis blanche. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire une tête, bon, tout à l'heure, hein, à la John Silver. Vous savez, les cheveux collés. On va voir ça va. Sinon, j'ai beau ça irait tout ça. Bon, là, je remue. Je vais mettre en fond de teint le Maybelline New York, le Dream Wonder Nude, qui est vraiment un petit prix. En plus, moi, je l'avais acheté chez Saga Cosmétique. Donc, vraiment, j'avais dû le payer 3 euros. Et il est top de chez top. Alors, il faut bien me brasser. Hein. On avait des lunettes. Hein. Forcé. Voilà. Sinon, bon, ben, chérie est partie. C'est le buraliste. Voilà. Et j'ai arrêté ma machine parce que le bruit était épouvantable. Donc, je vais le mettre, je pense, à la main parce que j'ai plus de pinceau fond de teint. Ouais, il est mort. Alors, j'utilise d'autres pinceaux, vous inquiétez pas. Là, je ne sais pas ce que je fais, je vois rien. Voilà, faire la main. De toute façon, c'est pour vous faire un maquillage parce que je sors pas. Mais non, là on est le 18 du mois, on est plus mai. Ça y est. Putain, j'en ai marre, hein. Moi qui voulais commencer à faire des cadeaux aux petits, rien du tout. Je pensais que ce mois-ci je m'en sortirais mieux. Tu parles, Charles. J'en ai marre, moi, d'être pauvre. Ouais, je sais, je vous le dis tout le temps, mais c'est la vérité. Ça m'empêche pas d'être heureux de le vivre. Ça m'empêche pas d'être heureuse. Voilà, donc. Voilà, j'ai tellement frotté que je suis toute rouge. Ah, vous savez que moi, je ne mets pas d'anti-cerne, parce que j'estime ne pas en avoir besoin. J'ai perdu l'essentiel. Ma serviette, merde! Allez, sur mon peignoir qui est propre, ça fait rien. Ouais. Alors, si j'ai envie de poudrer, mais là, c'est pas le cas parce que c'est un fond de teint très poudré, très légèrement poudré, enfin très poudré, qui fait que ça colle pas, il ne se passe rien. En revanche, j'avais prévu d'utiliser sinon cette très très vieille poudre, mais alors très très vieille poudre, et qui est encore aux trois quarts pleine, parce que j'en mets fort peu, puis en plus, elle dure longtemps vu la taille. Toujours de chez Je mets Maybelline. La poudre libre, teint velouté transparent unifié. Bon, ben, vous savez, je vais pas vous ouvrir, c'est une catastrophe après pour moi. Voilà. Donc, j'en mets pas. Et après, on va faire les yeux. Je vais utiliser, pareil, une très vieille palette. Je chez ELF, qui est une sorte de, si j'osais, de dupe, enfin, de la première Urban Decay. Que j'avais justement acheté au tout début où je regardais des vidéos maquillage. Ça veut dire il y a à peu près, je sais pas, il y a à peu près longtemps. Je prends un pinceau plat de chez, c'est un Paris AX, donc qui est cher. Excusez-moi, oui, oh ben, j'ai pas envie de voir les horreurs de la guerre, regardez autre chose. Oui, donc bien sûr il n'est pas à moi, hein, c'est un cadeau d'une copine. Et je vais prendre cette délicieuse couleur rose pâle. Alors, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Bon, en même temps, on s'en fiche. Donc, c'est un rose pâle que je vais mettre sur toute la paupière, toute la paupière en entier. Bon, ils sont un peu poudreux. Mais à la limite, je vous le dirais, pas plus que les Urban Decay qui sont super poudreux, je trouve. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Je voudrais aller vite et faire pro. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler. Vous allez vous emmerder. En fait, les gens me regardent essentiellement pour ce que je blablate. Donc, je pourrais être à poil ou peut-être pas quand même, que les gens s'en apercevraient pas. Je garde le même pinceau et je vais mettre du marron foncé. Comme ceci. Hein. Et là, où est-ce que je mets? Sur ma main. Je vais avoir des mouchoirs. Ouais. Allez, à la one again. Coucou Magali. J'espère que tu vas bien, Magali. Et toutes vous autres d'ailleurs. Pourquoi je parle à Magali, moi? N'importe quoi.
Voilà, donc j'en mets un bon peu, hein. Il y a un très joli petit miroir. J'attends mon miroir que je commandais chez Avadhoun en début de mois. J'avais encore des sous. Mais je l'attends. C'est ça l'emmerdement avec Amazon. Première fois que je commande, hein, chez Amazon. C'est la merde, c'est long. Ouais, j'en parle d'Amazon. Je ne recommanderai jamais sur Amazon ou alors je me méfierai. Mais je ne connaissais pas le système, moi. Donc le jet, de toute façon, faut que je prends un flouteur qui est, on s'en fout, puisque ceux-là, eux, quoique, c'est pas. Pour moi, c'est pas terrible. Hein. Pour moi, derrière la lunette, encore une fois, on voit rien. Ça fait beaucoup rire les gens quand je me maquille, mais des fois, ils me disent: Ah, mon Dieu, tu nous fais peur quand tu commences à te maquiller. L'autre fois, c'était, oui, pour enfin, le dessous d'œil que j'avais fait avec un pinceau fin et mon mascara, vous savez. Il y en a une qui m'a dit: Mon Dieu, j'ai eu peur, et finalement, ça a bien marché. Bah oui, ça marche bien. Bah. Et c'est un pinceau, quoi, ça. Too Faced, ben, il gigote un peu, là, au niveau de la jointure. Alors, hein, je vais donc prendre pour faire le foutage. Pardon, excusez-moi. Je vais prendre un beige que vous ne verrez même pas. C'est clair, ça va aller. Mon décolleté commence à s'approfondir. Et donc là, je floute comme ça. Pour diffuser la matière. Bon, je vais être pro, je vais dire. Oh là là, Seigneur Dieu Marie-Joseph. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Mais, non, il baille, il baille. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je disais? Oui. Faut pas m'empêcher de raconter des conneries, c'est terrible ça. Voilà, on déjoue bien. Ouh là là, faut que je m'épile des sourcils. Ce qui dépasse là. Je déteste ça, je déteste ça. Bon, voilà. Et maintenant, le clou du spectre. Non, je sais pas. Ben maintenant, c'est tout pour les yeux. Moi, ça me suffit comme ça. Non, je vais faire un rappel en bas. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai ouvert toutes mes palettes. Enfin, toutes les deux palettes que je vais utiliser. Je les ai ouvertes, pas vous fichiez de moi. Ah, je vous connais. Et là, je vais faire à la Paris. Je m'en fous, hein, c'est ma salive et c'est mes yeux. C'est un pinceau encore jamais utilisé. C'est, vous voyez, l'autre fois, l'embout pour ma serraille est là. Et là, je prends l'autre embout neuf, évidemment. Et je vais faire mon dessous d'œil. Comment vous dire que. On va faire autrement. On va prendre ce vieux miroir cacamouille là. Cacamouille. Juste pour donner l'illusion d'un œil plus en amande, voyez-vous? 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 Voyez-vous pas? Non, pardon, elles ne font pas comme ça, les grandes youtubeuses maquillage. En même temps, je vois même pas mon œil. Voyez-vous? Voilà, vous voyez. Oh là là, je me suis raté. Même pas grave. Je vois pas ce que je fais, je vous dirais. Je vois pas. Oh! Ouh là là, ouh là 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 là, c'est la cata. Alors, on s'emballe pas, on reprend le pinceau comme ça, on reprend du rose pâle, et on va. Laisse tomber tout ce cacabouille que j'ai fait, laisse tomber. Voilà. Oui, oh, c'est pas parfait. Mais j'ai jamais dit que j'étais parfaite, et je suis bien contente de pas être parfaite. C'est chiant d'être parfaite en fait, parce qu'il faut tout le temps être parfaite de fait. Parfaite de fait. Ouais, non, là c'est quand même très moche. Voilà. Oui, j'aurais les paupières qui plissent. Eh ben écoute, c'est pas grave. Maintenant, on va mettre du mascara, qui est un mascara que j'ai acheté un jour, je passe à Auchan, bien avant le Paradise Magnifique là. Magnifique, rien du tout. Il y a un drôle de bruit là, mais dans quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tu me diras, c'est un voleur et il ne va pas me répondre. J'ai toujours rire ça dans les films. Ça y est, je suis parti. Je reviendrai ma carapace. Dans les films, ça fait toujours rire quand les gens entendent du bruit ou alors quand ils rentrent dans un appartement où ils sont censés avoir un mort. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Oh, du couillon, c'est un voleur, tu crois qu'il va te répondre? Il va t'attendre à la porte, il va taper dessus, oui. Bon, bref. Oui, un jour que je passais au champ, j'avais envie de m'acheter une bricole en faisant les courses. 1,99 ce mascara en bout de rayon, donc je vous l'ai déjà présenté. Le Black Lash Mascara de je sais pas qui, c'est marqué de peut-être de EAC, mais je sais pas. Et il est pas mal, hein. Il est aussi
bien que le paradis exotique, exotique, il n'y a rien du tout d'exotique, oui, c'est pas français. Alors, regardez, j'ai bien une petite brosse mignonnette. Attention, cascade. Il va sûrement se retrouver sous le canapé, le mascara. Là, je prends par contre le miroir grossissant deux fois, donc ça va pas aller loin. Ah ouais, c'est moche à gauche. À gauche. Sous l'œil. C'est pas grave, j'ai rectifié. Non, j'ai pas. Sur moi, j'ai pas ce qu'il faut pour. Je ne peux pas retrouver mon recourcil, là. C'est pas grave, hein. De toute façon, mais j'ai des cils fins et pourris. Non, pas pourris d'ailleurs. Mais petits, sans pitié. Bon, vous n'avez pas regardé ce qui se passe là, hein. C'est vraiment moche. Bon, il est pas mal. Pour un mascara à 1,99€, moi je dis, mon gars. Alors, moi j'y vais comme ça. Ouais. On va sûrement retrouver sur mes paupières. C'est pas. Ouais, regardez pas ma maintenant, je vous l'ai dit. Il y a plein de poils qui ont poussé en dehors de la ligne. J'aime pas ça, ça m'énerve. J'ai horreur de m'épiler les sourcils. Mais ça fait trop mal. Alors, des fois, j'ai d'anesthésie, enfin, c'est soi-disant anesthésiant. Avec l'alcool 90 ou l'alcool à 70. De l'alcool. Bah oui, du whisky, bah non, quand même. Bah, moi, ça me fait rien du tout, ça me fait aussi mal avant qu'après. Alors, après, je mets de la crème. Je rouge pendant un moment. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça suffit, c'est saoulant. Prêt. Ah, par contre, pas que je cligne des yeux, sinon ça va se déposer sur la paupière supérieure. Comme souvent. Bon, je le range. Tant que j'y pense, je vais utiliser vraiment les moyens de pauvre. Une vieille brosse à dents. Qui a déjà servi. Pas aux dents à ce que je vais faire. Voilà, je vous l'ai déjà montré. C'est à la façon de Sonia Seller que j'adore. Je t'embrasse, Sonia. Ouais, je sais que t'as pas le temps de me regarder. Ça me fait rire les gens qui disent ça, ça m'énerve. Eh ben, t'as pas le temps, tu le prends. Tu m'en regardes moi, tu regardes pas les autres et tout. Et puis, il faut pas monter vos vidéos, les filles. Vous aurez plus de temps pour regarder les autres. Bah ouais, quoi. Parce que c'est pas le tournage de la vidéo qui est long. C'est le montage. Je suis pas fait derrière. Et là, je vais utiliser un, toujours de chez, attendez, il s'est refermé, je crois, le Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ULF. Donc, un combo de contouring. Vous voyez, je l'ai bien utilisé, hein. Pipi, pipi. Non, pas pipi. Ah, en plus, j'ai envie de faire pipi. Je prends un pinceau à la One Again, n'importe quel. C'est un Lidl. Et je vais faire mon contouring. Ça va vous paraître foncé, c'est pas grave. Le double menton que nous essayons d'estomper. Je sens qu'il y a un truc qui me gêne sur le nez. Je garde le même pinceau, donc sur l'autre côté, et je vais prendre le soi-disant blush, qui pour moi n'est pas terrible. Et puis maintenant, je mélange un peu pour que ce soit vers le haut, toujours, hein. Un peu plus diffus. Ah, il faut l'argent mettre là, parce que si je me fais les cheveux plaqués, c'est quand même que ce soit un peu coloré. Hein. Voilà. Et bien, mes amis, à part le rouge à lèvres, on y est. Sinon, j'ai un autre blush que j'avais mis au corps. Ça ne me plaise pas, mais je me vois pas, de toute façon, on va y dire que c'est bien. Sinon... Et j'ai des poils de pinceau sur le visage, donc il faut que je les change, mes pinceaux. Moi, je les fais durer, mais bon, là, j'arrive pas à l'ouvrir, rigolez pas. Bon, c'était un blush, il est tout cassé, tout pété, de Simply Beauty, un rose. Et bon, il est tout pété et j'arrive pas à l'ouvrir, donc bon. Attendez, maintenant, il faut que je vous tente en dessous. Et maintenant, nous allons mettre... du rouge à lèvres Lidl, lipstick sienne, le tien, la mienne, le tien, bon bref, le 10 qui est un Cozy Rose, donc un rose, que j'aurais d'ailleurs très bien pu utiliser en blush, mais il est pâle, il est très pâle, et c'est Chérie qui va être content, hier j'ai mis un rouge qui pète sa mère, oui, je parle mal, oui, si je veux. Non, d'habitude, je parle pas mal, vous savez. Putain, je peux pas m'empêcher de causer, hein.
Il est extrêmement doux. À la pose, il est crémeux. Donc bien sûr, il tiendra pas. Mais je m'en fiche, je suis à la maison. De toute façon, donc c'est vraiment pour la vidéo. Vous en demandez quoi? Qu'en pensez-vous, les gars? Donc oui, je vais me coiffer comme ça, là, avec plein de petites mèches. Là. Je vous ferai une photo sur Instagram ou sur mon blog. Hein. Parce que moi, vous savez, je sais pas faire tout tout là. Avant, après, je ne sais pas faire. Puisque ça s'appelle du montage. Tout à fait ravissant, à part l'œil, on dirait que j'ai dormi avec mon matière. On ferme la boîte. Bon, ben voilà, j'ai fini. C'est quelle heure il est? Oh, ben ça va, j'ai pas mis longtemps. Purée, j'ai mis 16 minutes. Bon, ben voilà, je vous embrasse, je vous aime. Je vous dis à demain, à demain. Sinon, bon, il fait un temps moche aujourd'hui. Gris, mais gris clair. Voilà, bon, ben c'est samedi, on va se faire chier comme d'habitude. Tu me diras, comme les autres jours. Hein. Quand t'as pas un rond, je vais faire quoi? Voilà, bon, mes lunettes. Mes lunettes, vous allez voir que vous n'allez rien voir derrière. Vous voyez mon maquillage. Bon, et c'est un maquillage totalement petit prix. Tout petit, parce que vous savez que ELF, ça coûte rien. Même pour moi, ça coûte rien. Maintenant, je ne commandais qu'une fois. Parce que du coup, ça dure. Mais ça dure. Comme disait mon grand-père, ça dure. Qu'est-ce que je voulais dire? En même temps, comme je ne suis pas fidèle en maquillage, je zappe de l'un à l'autre, suivant ce que j'ai envie de faire. Et puis comme en général, c'est de l'ultra simple, donc je pioche dans ce qui est déjà dans ma bannette. Dans ma bannette. On dirait que je suis au boulot. Vous savez les bannettes? J'ai mis dans ta bannette le papier! Quelle bannette? Dans ma corbeille. Mais bon, j'en ai tellement des corbeilles que des fois, je les mélange. J'avais tout bien trié. J'y retrouve plus. Si, je suis bien organisé dans mon bazar, absolument. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à demain, je vais aller corriger ça, peut-être, si je pense, je risque d'oublier. Salut, bisous.